Là, c'était que Dieu de manger, il est comme ça, mais il faut faire attention. Je la lui. Je vois que c'est dangereux, j'attaque. Il n'y a pas sorcier, il va lever le mec. Faut lever le doigt. Viens pour me dire là, c'est toi qui dis les faux. On te fait baver 6 minutes. Dieu là, on ne joue pas avec sa force. Dieu est puissant. Il y a quelque chose. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Les régions de la Côte d'Ivoire. Dans les villas où il n'y a pas de courant. Moi je dors. Tu t'attends bruit des sorciers. Leur avion la nuit. Ils étaient venus. Ils les mettent tous à terre. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu m'a fabriqué pour démontrer sa puissance. Pour dire, croyez en Dieu. Les sorciers, vous voyez là, c'est des comédiens. Amen. C'est des comédiens. C'est des comédiens, ils ont la limite. Toute chose à sa fin, limite. Ah, pour ça, croyez en Dieu. Il n'y a rien dans le petit chien, c'est de la comédie. Moi, j'ai vu Nassidji, j'ai tout vu Nassidji. Mais il faut qu'on le fasse verser coranique, qu'on nous donne. Waouh! Et moi, ça m'énervait. Papa nous appelle à 1h du matin. C'est comme pratique de sorcellerie. On dit, bébé, tu es fâché. Tu mets dans ta bouche, tu as envie d'aller. Hein? Tu oublies d'avaler. Mais ça sent, c'est pas doux, c'est pas bien dans la bouche. C'est rentré dans ta bouche. Toi, un poids, 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 c'est pour te protéger. Ah! Tu bois. Ton médecin, c'est bizarre. Donc, tu mets dans la bouche. Le papa sait que c'est plein dans la bouche. Puis tu lui dis, Dieu, je lui dis, il y a quoi? Ah, ah, ah. Il t'oublie d'avaler. T'es fâché. Puis lui, il te dit, t'es malade. Non, je voulais protéger, t'es fâché. Fâché. T'es protégé. Le jour sorcier voulait le prendre. Lui, il a mis une ceinture. Il a laissé laver cuit dans la bouche. Et la nuit, on prie. Attends. On me trompe. Puis l'on tue mon papa. J'ai vu mon papa mourir. Bon. Vous pouvez penser aux petits fétiches, mettez tout vos reins. C'est de la comédie. Amen. Amen. Ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Dans la région des Bio, on a un sorcier dit, moi j'ai défié le prophète Crasso. Crasso radio. Moi j'ai défié le prophète Crasso. Il n'a pas dit parle. J'aurais dit, je suis venu vous montrer qui est Jésus. Vous partez à l'église, vos églises. Bizarre. Je vais vous montrer qui a la puissance de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis comme un homme d'Élie. Mon ministère, c'est comme Élie, un homme de défi. Je me suis dit, ok, on va voir de toi en moi qui est fort. Il a foncé. Non, c'est un homme de Dieu, on ne parle pas de lui, il va venir me parler. Il va me dire, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Il m'a cherché trois. Je dis, hé, toi là. Il dit, tu peux parler avec lui. C'est toi, Crasso. Il dit, ah, moi. Il dit, oui, viens, sors. Tu n'as pas dit quoi? Il dit, tu veux quoi? Il dit, oui, toi. Dès qu'il l'a regardé, il dit, je vais te montrer quelque chose. J'ai levé ma main, il a terre. Quand j'ai levé ma main comme ça, pauvre, il a terre. Dès qu'il se lève, il regarde, il s'est mis là. Il a fait ça. Je lui ai dit, monsieur. Toujours le combat. Quand toujours l'enterrer. Allez demander à la région de Bio. Quand il s'est passé, je suis venu à Bio. Quand tes petites sorcelleries bizarres, tu fais bon, bon, bon. Monsieur, votre sage. Aïe, faut t'en lèvre. C'est comme ça. Quand les gars ils pensent que non, bon, il m'a dit, je vais essayer quoi? Moi je te banalise. C'est ici qu'il fait la gêne. Je considère une personne. Comme un enfant est bébé, 2 ans et demi. Je ne considère pas. Je suis prêt à le frapper. Lui, il a 6 mois.
maison, il a prié, marché. Il y a un monsieur qui s'appelle Pousseli. Il a marché ici de Dibo. Il vient de Montebeu. C'est à 2000 décembre. T'as tout de suite parlé de Maïgène. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est une vilaine chose. Quand tu es sorcier, il faut être courageux. Moi, je suis courageux. Je vais vous être courageux de partir vous déplacer dans Dijon, Paris. Vous aimez les gens. C'est vous qui aimez les gens. Des fouleurs. Des chupés, vous prenez la gueule des gens, les gâter. Quelque chose l'a construit pendant des années, vous venez gâter ça en une fraction de seconde. Pourquoi rien? Non, c'est la sorcellerie. Hein? Nous rentrons dans un monde dangereux. Je commence à vous gérer maintenant. Quand je vois vos dossiers ici, je vous mets au combat. Tu veux changer? On va t'aider à changer. Si tu veux mourir, on va signer le visa de la mort. Il y a ça ici. C'est une ambassade. On appelle ça visa de la mortalité. Chez les morts, on t'envoie là-bas. Vous n'avez pas ce que vous allez tuer. La Bible dit que la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. Je vais aller dans un pays pour délivrer une sœur. Le petit n'est pas venu au rendez-vous. Je l'ai suivi en esprit. Il m'a traqué son père la nuit. Je lui ai demandé la nuit. Il n'avait pas dormi la nuit. Quand nous devons se regarder, c'est ce qu'il a fait la nuit. Ce n'est pas de la sorcellerie. Dieu ne fait pas de toi chrétien, il va faire de toi un esprit. Si tu ne fais pas un homme spirituel, tu ne pourras pas posséder le ciel. Vous ne savez pas Dieu, votre chrétienté, bla bla bla. Puis les petits enfants vont vous attraper comme cabri. Mais un enfant, ton enfant il t'attrape comme cabri, il te frappe. Et puis t'attache, il veut te manger. Ça veut dire toi-même, ce qui est en toi là, il n'y a rien en toi là. L'apôtre Paul dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Dis à quelqu'un, Jésus est fort. Jésus est fort. Alléluia. Amen. Nous, c'est parce qu'on ne veut pas, c'est pas question d'étudier la famille. Ça a beaucoup de sagesse qu'on n'a pas envie de parler devant les gens. Parce que pour nous, parce que nous voyons la sorcellerie, pas qu'on sait les gens voient la sorcellerie. Donc, avec beaucoup de diplomatie qu'on parle maintenant, parce qu'il y a l'expérience que je joue aussi dans le ministère. C'est ça qu'on n'a pas envie de parler. Souvent, on vous voit, c'est ça que les orgies sont là. Mais doucement, on va être doucement. On va doucement. Et puis présenter le sujet avec beaucoup de diplomatie. Et puis, même la personne sur le champ peut l'aider. Pour que les gens acceptent, même si tu fais les aveux, qu'ils t'acceptent après. Parce qu'il y a ça. Ce qui fait que par moi on est dans ses terres. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes fort. Hein. Pas parce que vous avez laissé vos corps dehors qu'on ne voit pas, on vous voit. Quand vous passez ici, là, c'est déjà dangereux pour vous. Quand quelqu'un vit ici, la fétiche, c'est gâté. Ça se gâte. Comme ça ici. Alléluia. Amen. Voilà, donc soyez bénis. Amen. C'est un endroit très sûr. C'est l'état-major de la brigade anti-sorcière. Maintenant, c'est anti-mangeur d'âmes. Les sorciers, vous voyez là, ils mangent des âmes des gens. C'est des délinquants. C'est la délinquance spirituelle. Aller violer une femme de quelqu'un. Hein? Le monsieur est couché là, tu veux te coucher, ça va. Alléluia. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu n'avait pas voyagé au calmer de vous, sorcellerie? J'ai invité les pasteurs à Abidjan, on parle ensemble, prophète. Il ne veut pas venir. Il me pose la question. Je t'en ai dit, les sorciers sont assis là. Toi, tu parles, oui. Ah, prophète, moi, on n'est pas appelé à ça. Hein. Votre ministère, là, c'est pour prêcher seulement. Et lui, il n'est pas dit, les pasteurs. Plaquer les gens à la télé, ils sont parlés, parlés, parlés. Il y a des gens, même, tu veux te bénir. Il me plaque, quand je dois rendez-vous, il ne veut plus venir à Dibo. Parce qu'ils savent que sur ce terrain-là, tu n'es pas bien, les sorciers vont te manger. Ça tourne là, c'est pas vos camarades. Il sait qui est qui. Alléluia. Amen. Dieu à quelqu'un, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Dieu à quelqu'un, tu es béni. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Des barrières invisibles. Dieu va briser ça. Amen. Sans bientôt vie, sans changer, je vais délivrer.
les bénir, nous les intégrons dans les familles. Vous voyez comme le monsieur tentait de dire, s'il te plaît, il faut permettre à ma famille de m'accepter. Nous sommes en négociation parce que ce n'est pas facile d'apprendre que telle personne en derrière toute la famille est la base des malheurs. Ce n'est pas facile. Il faut aussi comprendre la famille et puis doucement intégrer cette personne. Nous, nous prêchons l'évangile. Voilà. Qui est à base de réconciliation. Jésus-Christ réconcilie l'homme pécheur avec Dieu. C'est cela que le prophète création n'est pas mystique. Mais maintenant, si vous pensez qu'il y a un mystique dedans, bon, ça, ça n'engage que vous. Voilà, ça n'engage que vous. Chaque personne connaît son appel. Moi, Dieu m'a appelé pour m'attraquer les sorciers. Amen. Amen. C'est pour ça que vous devez soutenir le ministère. Très bien. Amen. Soutenez le ministère, vous allez voir. Vous allez voir comment serait plus efficace. Mais quand vous délivrez, cherchez les pasteurs là, vous partez donner la règle. Comme sinon, on ne sait pas manger. Amen. Amen. Comme je disais hier, on a délivré quelqu'un, il devait mourir. Il devait mourir. Il a cherché, dit, c'est le prophète Crasso, même les pasteurs, si tu mets la main sur ce monsieur-là, qui sera délivré. Et pour ma voix, c'était difficile. Il m'a envoyé, il a tout fait par une demande sur Facebook, tout ça. Il a tout fait par les personnes intermédiaires. Et puis un matin, Dieu me dit, le message, il faut prendre ça. Souvent comme ça, il m'arrive à 1h, 2h du matin, je me lève, puis sur Skype, Dieu me montre la vie d'une personne, puis je commence à faire la délivrance de la personne. Parce que je suis prophète. J'ai selon l'Esprit de Dieu. Et je le prends et je dis, ok, il était tellement soulagé. Parce que sa femme avait déjà les reins mangés. Insuffisant rénal. Il était programmé dans un mois de novembre. Ok. C'était fini pour lui. Dès qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, j'ai le pouvoir de détruire là-bas. C'est fini. Tu vas plus mourir. Il dit, qu'est-ce que pour lui, regarde, ce qui va se passer. Et j'allais faire des sons de délivrance, je suis dans la maison, où j'ai délivré son fils sorcier. Et sa femme, qui devait mourir de l'insuffisant rénal, tu vas l'envoyer aujourd'hui à la force. Le miracle, ça a été délivré. C'est là que Jésus est puissant. Il avait un canari mystique. Il est lui-même parti chez les féticheurs. J'ai quitté sa chambre. J'ai enlevé tous les fétiches de sa chambre pour l'amener dans le christianisme. Il a été délivré. J'ai même détruit le canari mystique où il avait des. On devait les séparer de sa femme. Délivré. Aujourd'hui, la sauvegarde, il va envoyer la règle. Comme si le prophète, c'est pas. On n'est pas le sépa. Amen. Amen. Mais vous, quand vous délivrez ça, vous êtes pasteur, vous m'envoyez l'argent, c'est pas mauvais. C'est vrai que vous venez de d'autres ministères. Si c'est un ministère, on vous maintient. On ne peut pas vous maintenir, c'est parce que vous avez besoin de vivre votre vie. Chrétien, tout ça. Mais pensez à ce ministère. Amen. Le suivi de ce ministère. Le ministère vient le suivi. Comme je parlais hier, ma voiture est gâtée. C'est au garage. J'ai deux voitures depuis, je parle, le prophète. Ismaël, au garage, qui m'écoute? Enfin, il a quand même été délivré, bon, il m'en va. Malagouna, mais c'est là pour vous, ça fait un an et quelques. C'est un an à part, mais ça fait un an, c'est au garage. Or, si on avait des voitures pleines ici, ça peut servir de liaison entre votre taille et le centre. La voiture qui vient d'avoir l'Unaï, c'est une seule togolaise qui m'a offert ça. Pas un frère qui m'a fait pivoter. C'est une seule togolaise qui est venue de l'Allemagne qui m'a offert ça. Voilà, quoi du monde. Même les gens étaient livrés à Zaropolo, aucun d'entre mes reines n'a mis une clé de voiture. Pourtant, ma voiture est gâtée sur la route de Zaropolo. Je m'en vais là-bas à matin à 9h, je revenais à 18h, à 2h du matin à 10h, dans le noir, et je vais partir à 8h, pour délivrer toute une région. J'ai fait ça pendant un an. Ça se gâte. C'est ça. J'ai fait ça par amour. On a besoin d'aide. Il faut que le mission soit soutenu. Nous avons besoin des instruments. Ça là, c'est jouer. Pour nous, les musiciens, on voit ça comme jouer, ça là. C'est comme 500, non? Yamaya, il compte. Yamaya, 500, c'est ça, non? 500. Pour nous, c'est jouer. Il faut 9000 comme un studio. Pour que vous ayez des bons sons. Ça fait 700 000 francs. 800 000, non? 700, 800 000. La batterie, là-même, c'est déjà gâté. C'est Chinto qu'on a acheté. C'est même pas original pour jouer nos appareils. On ne peut même pas sortir par les peurs pour hasard. Pourtant, notre ministère est appelé à faire des évangélisations.
le ministère de la compassion, on a besoin du matériel pour évangéliser. Mais hélas, qui prend ça? Qui? Pourtant, on est prêt à mourir pour un parti politique. On est prêt à mourir. Non, je meurs avec lui. Pour quelqu'un d'être humain. Or, ça, c'est Dieu. Or, nous sommes efficaces dans le travail. Et Jésus avait l'onction, ok. Mais c'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. L'argent ne venait pas du ciel. C'est les gens qui soutenaient le ministère de Jésus. Amen. Amen. Dieu tombe sur vous. Alléluia. Amen. Dieu tombe sur vous pour soutenir notre ministère. Amen. Quand vous serez délivré, vous allez aller au ministère. C'est là où vous allez voir que. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui dit, lui, les prophètes, des prophètes, c'est un gagné. Il avait dit un jour, pardon. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être prophète des prophètes de la Côte d'Ivoire. Donc c'est plutôt que Bana. La Côte d'Ivoire, c'est prophète. Reste tranquille. Menteur. T'es prophète des prophètes de qui? Tu connais la Côte d'Ivoire? Toi tu viens du Ghana. Toi t'es prophète des prophètes, c'est ça. À Ghana. Mais la Côte d'Ivoire, toi t'as fait quel village de Côte d'Ivoire? Qui t'a consacré comme prophète des prophètes? Respecte la Côte d'Ivoire. La chaîne de télévision, là, c'est pas, c'est vrai qu'on fait la publicité. Mais quand je te rencontre, la dernière fois, les deux sont à la Côte d'Ivoire. Dieu nous a appelé, c'est notre nation. Nous n'avons pas que deux pays. Dieu connaît la Côte d'Ivoire. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Vous partez au Ghana, il y a un côté en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Parce que Dieu vient de la Côte d'Ivoire. Il y a un puissant homme de Dieu nigérien qui me découvre. En moi, il y a une grande église. Le jour où j'ai vu une de ses vidéos, je dis, ah, j'ai l'impression qu'on fait dans la même technique de délivrance. Oh, le monsieur me suit. Jusqu'à ce que, paf, on se rencontre. Il me fait une demande sur le Skype, demande sur le Facebook. Je suis donné, je vois. Tu peux chez soi. Je suis donné. Papa, papa, papa. Il approuve mon ministère. Il est dépassé de voir une particularité. Un homme de Dieu, il va même détruire les petits. Il dit, je crois au ministère. Non. Je suis donné. Il va aller son Nigeria à Dieu. Dieu est encore du monde. Et ça, c'est ça les Ivoiriens. Ils aiment tout ce qui vient de l'étranger. Comment toi, tu peux te dire à la prison ivoirienne, tu es prophète des prophètes. Ils sont Ghana. Pas pour toi. S'il te plaît, c'est pas de l'orgueil. Dieu est encore du monde. C'est vous qui faites que les gens courent aller au Ghana, pour aller. Dieu est encore du monde. Dis à quelqu'un, Dieu est encore du monde. Dieu est encore du monde. Tu es prophète des prophètes au Ghana. Ici, là, il y a un prophète. Tu ne connais pas encore. Voilà, c'est vrai que tu parles. Moi, je suis là, il y a des gens. Et tu utilises du sang, j'approuve leur ministère. Ils sont encore du bon. Je ne suis pas comme ça. J'approuve leur ministère. Pour qu'on se respecte. Tu ne peux pas venir grand, le grand, grand. Ça ne se dit même pas d'ailleurs. Moi, je ne peux pas dire à la télévision ivoirienne que je suis le grand, grand des prophètes. C'est un mensonge. Tu peux être le grand, grand des prophètes là-bas. Tu vois pourquoi? Ça n'existe même pas. Alléluia. Amen. Pas que les gens vous blaguent. Je suis le premier, je suis le prophète des prophètes, c'est un menteur. Un prophète des prophètes. Chacun sa spécialité. Un prophète des prophètes, n'arrive pas à délivrer les sorciers. Il y a tous bien les sorciers. Quand on vous dit de venir à Zaroko pour les choses, elle dit non, je ne vais pas appeler. Quand mon onction va s'aller aux États-Unis, ce n'est plus à Zaroko. Il y a des gens qui disent que leur onction, ils ont fini un village. Ils ont trop voyagé dans les villages. Donc, maintenant, c'est dans les pays. Ils sont prophètes des nations. Et les gens souvent les villes disent non, c'est un prophète. Moi, j'ai commencé les villages comme tenté de faire. Mais l'onction qui est sur moi, là, c'est plus pour les villages. Tu es un menteur. Tu as peur. On peut finir des nations et puis revenir à Zaroko prêcher. Moi, quand j'ai fini des nations, je reviens à Zaroko prendre le micro. Je suis là où Dieu me veut, on n'a pas forcément besoin de dire je suis maintenant, j'ai une onction que j'ai ma vie, c'est pour les nations. C'est mon seul mensonge. Allez et faites toutes les nations les disciples. Nous sommes toujours appelés à évangéliser, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, nous devons évangéliser. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Qui croit ça? Amen. Amen. Qui croit ça? Amen. Hein? Croyez. Les sorciers sont les comédiens. Le vieux, ça va?
C'est le papa de Stéphane, c'est Seigneur. Le plus valeur. Ah oui. Ça va. En tant que ton fils va te voir. Voilà. C'est moi, je suis allé. Ton fils avait tous les problèmes. Je suis allé te donner un petit chez lui à la maison. Et c'est sa belle-mère qui a été guérie sur le Sky. La maman de Marie-Claude. Voilà. Mais aujourd'hui, ils m'ont laissé tomber. C'est comme ça. Ils m'ont laissé tomber. J'ai dit ce qui est vrai. Je suis allé ici. Si sa maman est mourante, je suis prié sur le Skype. Je suis allé à Issia. J'ai regardé le père. J'ai dit, donne-moi l'âme de ta fille. Il dit, c'est pas lui qui a pris. Quand je suis rentré dans la cour, j'ai parlé, j'ai pris l'âme. Je suis venu avec ça. Je lui ai dit, je te donne 2 mois. Quand tu discutes d'un mois, je te donne 2 mois. Si tu n'es pas devenu fou et me chercher dans toute la Côte d'Ivoire, maudis-moi. C'est ici le vieux Zuzoa Hubré. Il est venu ici, s'est répandu ici. Il m'a dit devant tout le monde, je reconnais que tu es prophète. Or, ils m'ont tous insulté dans la famille. Et sa fille est venue. Elle était malade, elle devait mourir. C'est ici. Quand je finis, ton fils, il pense, Seigneur, je suis allé détruire les lacets. C'est qu'il vit aujourd'hui là. C'est lui qui vit, qu'il vit ça. Quand je lui ai dit, il a négligé. C'est pour ça qu'il est au carreau aujourd'hui. Dieu, lui, il n'a qu'à chercher à me voir. Il sera le meilleur de l'Angleterre. La fille, elle était mal, sa maman, elle est venue pleurer, Marie-Claude, c'est Seigneur. Elle est venue pleurer chez moi, elle a fait 2 jours chez moi, pleure. Tu veux combien ma maman va guérir? Parce que dans une salle, elle entend la mort. Elle dit, moi, on n'achète pas. Elle dit, je suis prêt à aller voir. Elle dit, si tu vas se bazanguer, elle va attraper, elle va vouloir faire ses matines. Mais elle, ta mère, elle ne peut jamais te dire. Elle dit, moi, je m'engage. Si ta mère est morte, c'est que je suis pas béni de Dieu. Elle te montrer qu'il y a ça. Il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. J'ai pris le dossier sur le Skype. J'ai regardé sa mère. Je suis rentré dans l'intimité de Dieu. Je lui ai dit Dieu. Dieu va mourir et elle ne mourra pas. Vous pouvez y aller. Les gens, Dieu écoute. Aïe, quand Dieu a pris la décision de Dieu exterminer tout Israël, parce qu'ils avaient adoré le veau d'or, Moïse a levé la main. Il dit, si tu touches un enfant, un peuple, un enfant juif ici là, moi je t'en pardonne. Donc Dieu s'est répandu de sa colère. Pourquoi tout le monde lui écoute? Il va courir, il avait fait. Il va mourir, il dit non, elle ne mourra pas. Voilà. Je suis en discussion avec Dieu. Dieu dit ok. Tu fais comme tu veux. Quand je la prends sur le Skype, il dit tu vas vivre. Les gens ne croyaient pas, elle ne mangeait pas. Sur le Skype, 3 jours. Elle a commencé à manger. Elle dit si je m'en vais. Tout le monde connaît l'histoire ici. Tout le monde connaissait l'histoire. C'est pas droit pour vous. Tout le monde avait ça, sa roco. Elle pleurait. Mais tout le monde avait ton corps. Elle pleure. Je suis allé ici. J'ai rencontré. Moi, je suis un homme de terrain. Je ne suis pas là pour parler. Ta maman demain, il faut te cacher. Ne va pas au village. Son village là-bas, je rencontre le soldat. Et puis je le mets au bas, c'est son territoire. On vous dit, avec Dieu, nous pouvons tout. Et je rencontre le monsieur du suite, moi il est joué. Il dit, vous laissez tes mises en scène. Moi j'appelle ça ce qu'on appelle mise en scène. Le soldat dit, t'es pas soldat. Donne-moi l'âme de ta vie, du suite, moi. Moi j'ai pris ma chose, j'ai jeté. Amen. Amen. C'est la force. Il est dans 2 mois. Il est fou. Il est dans la bignette et il me voit dans sa chambre. Il a marché nu. De Gouvency, j'ai retrouvé en gris là-bas. Il dit tant que je ne vois pas le monsieur là. Et puis, il a quoi ça s'en fait. Mais là, il m'appelle. C'est vrai, c'est lui qui avait dit. Oh, mais il m'avait abandonné. Même la femme m'a abandonné. Pardon. Pardon, mon papa. Il dit qu'il n'est pas sorcier. Mon papa dit qu'il n'est pas sorcier.
Je suis pas le seul pasteur prophète du Côte d'Ivoire. Il dit, le vieux dit, c'est toi seul qui peut le délivrer. Il dit, ah, il me connaît. On dit, oui, il te voit partout, il dit, crie quand il rentre dans la chambre. Le prophète Grasson, c'est lui qui peut me délivrer. Il a posé la question, l'a envoyé. Quand il avait dit, tu me connais, il dit, oui, où, oh, Isia. Tu as dit quoi, Isia? Il est là, il ne peut pas. Il n'a pas dit que tu avais sorti. Petit honte, il les parents, ça. Vas-y, grand, la caméra, c'est toi. Mais c'est la bouche qui crée des problèmes, les sorciers là. C'est la bouche qui crée des problèmes. Quelque chose va régler à huit clos, maintenant on appelle ça en français huit clos. Toi, t'envoies ça en grand clos. Amen. Amen. T'envoies ça en grand clos. Au lieu que ça soit trop vite, c'est grand, grand clos. Pour le monde entier va te suivre. Oui, il est sorcier. C'est comme ça. Il dit, ah, ne te touche pas. Il a pas ça sans fuir. Sa fille est venue de Paris. Elle est venue de Paris témoigner. Et c'est ici qu'on a fini de se travailler. Je suis allé. Il m'a laissé tomber. Ils m'ont promis des choses. Ils n'ont pas donné. Je n'ai pas demandé. Mais pourquoi promettre un homme de Dieu que tu ne donnes pas? C'est quoi ça? Bon, parce qu'on ne vous demande pas. Oh, vois-tu, vous voyez là, ça pourrit dans la maison, ça. C'est plein. Comment tu dis? Elle m'a dit, la voiture, elle te donne ça. Il m'a fait assurance. Dis quoi, je dis, l'assurance n'est pas encore passée. Et puis, elle est dans la caméra, elle connaît. Vous négligez. C'est-à-dire, c'est pas comment Dieu peut vous bénir. Si vous négligez déjà un élément, tu ne vas pas n'importe qui. Dieu m'a déjà à utilisé, commencer un travail dans la famille. En précisant avec votre père spirituel. Alléluia. Amen. On a trop d'histoires, il y a trop de choses, il y a trop de gens. Mais ça va aller, amen. Amen. Comme ça, l'homme. Amen. Amen. J'ai dit son vieux, il est venu négocier un prix pour pouvoir prier son fils. Pour que son fils vienne se déplacer, pourquoi bien prier pour lui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Amen. Ce qu'il y a vous dit. Prophète, il y en a en Côte d'Ivoire ici. Amen. On n'a pas besoin de se déplacer, aller au Nigeria, aller au Ghana, aller s'emmerder. On a un prophète ici. Tu n'as pas abandonné la Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Amen. À mon soleil. À mon soleil. Amen.
La petite bénisse, délivrée, ne plus sorcière, bien. Elle a bien. Bien, c'est dit l'Europe, français, ivoirien. Ah! Vous passez ça qu'à l'église, bon, bien sorcier. Sorcellerie. Ça va? C'est délivré. Hein? C'est délivré. Hein, la maman a dit. Ça va? C'est Emmanuel Christ. Tu as des plus grands noms. Mais tu t'envoles. Il est bonbon. Ça va? Tu es délivré. Qu'est-ce qu'il faut que tu délivres? Je veux suivre maintenant Jésus-Christ. Oh, d'accord. Et j'ai senti que tous les esprits qui étaient en moi sont sortis. Et Chocon, t'as dit qu'elle est née à Ben. Tu as fait quoi? J'ai senti que tous les esprits qui étaient en moi sont sortis. Ça veut dire quoi? Parle bien, que l'esprit te sorti. L'esprit de sorcellerie? T'es sorti comment? Par un cri. Par un cri? Oui. C'était sorcière. Oui. Ah bon? Oui. Pratiquer la sorcière? Oui. Où? Tu viens d'où? De Paris. Tu viens de Paris. Et tu pratiquais la sorcellerie là-bas? Oui. Vous cachiez à Paris. Les sorciers sont partout. Tu mangeais la chair humaine? Oui. Et ça te faisait quoi? Grossir. Vous comprenez? C'est la grosseur là. C'est choubria de l'homme. Nous, on est français ici, hein? Ils ont compris. Nous, on est français ici, Côte d'Ivoire. C'est choubria de l'homme, là. D'où elle est grosse, là. C'est qu'elle dit, il y a A dedans, il y a B, il y a C. Avec sauce, tu critiques, tu mets copé. C'est un combo, non? Oui. Nous, on appelle ça copé. Alors, et tu avais un pouvoir. Hein? Oui. Elle avait la possibilité de entrer, c'est-à-dire qu'elle te regarde. Comment tu fais? Je regarde la personne. Tu regardes la personne. Je la fixe longtemps. Tu la fixes. Et je rentre dans ses pensées. Tu rentres dans ses pensées. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Et je communique avec elle. Tu communiques avec elle. Oui. Humaine.